Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Du coup, on est allé voir le match Le Havre-Caen. Du coup, on va faire cette petite vidéo un peu compte-rendu. J'ai pas pu tout filmer parce que bon, on était dans le parcage du coup Canet. Du coup, c'était assez complexe de tout filmer. Du coup, ce que j'ai, c'est que j'ai récupéré le plus de vidéos possible avec les gens avec qui je suis parti. Du coup, je vais vous faire cette partie-là où j'explique un peu ce qu'on voit. Et je vais mettre des vidéos à gauche à droite de ce qu'on a vu. Du coup, déjà, on est parti du coup avec les bus du stade Malherbe de supporters où on est allé au Havre. Ce soir, on se voit en enfer. Allez, 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 on va allez, en faire allez. Avec ce jeu de bus miteux. Autocar, du coup, c'était rendez-vous à 10h là-bas. On est actuellement 10h32. C'est l'heure de la grippe. Marcel? Oui, petit déjeuner. Bon, je vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de bière dans le bus, beaucoup d'alcool. C'était très festif dans le bus à l'aller. Les chants ont commencé à se mettre en place, les gens ont commencé à se chauffer un peu, jusqu'à arriver au Havre, où là tout de suite la tension est montée, on est passé devant le stade, il y avait des supporters havrais, du coup on commençait à taper sur les côtés du bus et tout. On est arrivé, on s'est posé du coup devant le stade. Donc on est arrivé là-bas aux alentours de 14h, le match commençait à 15h, et déjà dès l'arrivée au stade en gros il y a des fumigènes qui ont été craqués. On a eu des chants qui sont mis en place aussi, juste avant de rentrer dans le stade. Hein? Je la mets dedans, j'essaye. Donc là, c'est quand on rentre dans le stade. Donc vous voyez, je m'étais mis en haut du parcage pour bien vous montrer tout le stade. Et après, on était très très bien placés. Parce que du coup, on était devant une petite balustrade. Du coup, ce qui va nous permettre de quand même, quand je vais vous montrer des photos, et des très belles photos de nous, et aussi sur les vidéos des réactions et tout, on nous voit très bien. Donc c'est parti, donc le match commence, et mon ami Marcel qui me regarde et qui me fait « Romain, là c'est sûr, sur corner, là il y a but, je lui fais 50 balles s'il y a but. » Le corner à suivre, la reprise de la tête. Le cop hurle. Mais moi, j'avais un peu le seum au fond, quand même. Après, but du Havre. Du coup, là, je vous mets une photo vraiment qui a été prise juste après le but du Havre. Du coup, ça fait 1-1. Le cop se remet à chanter. Je vous mets quelques vidéos d'ambiance. Et là, du coup, il y a attaque de Caen. Il y a Van der Merch qui part sur le couloir droit et juste devant nous, il se fait faucher par le défenseur havrais. Carton rouge, penalty. Je vous mets la vidéo du penalty. C'est la fête quoi, 2-1, puis 3-1. Et là arrive le moment où juste il y a le 3-2. Et tout le monde se calme, on serre les dents, et derrière, le cop se remet à gueuler et tout. But. Comme ici, une terrible erreur dont profite. Grâce à Mathieu Gorgelin, hein, merci mon ref. Du coup, but de Deminguet, là on explose, on sait qu'on a gagné, c'est fini. C'est fini, le match est gagné. Et aussi des petites anecdotes. Bon, juste au moment où le match est fini, tout le monde hurle joyeux anniversaire parce que c'était les 150 ans du HAC. J'adore ces matchs-là parce que surtout il y a des banderoles comme par exemple le fait que les 150 ans du HAC, c'est pas trop ça, hein, on sait. Aussi, bon, les banderoles du Havre, on va pas dire, mais bon, c'était pas ouf quoi. Mais même historiquement, il y a toujours ces. L'art de la phrase qui était très important dans ce derby-là. Bon, c'est l'art de la phrase, hein, c'est pas l'art des tifos. Ce qu'on a vu, le tifo du Havre se déchirer en deux, ce qui a beaucoup fait rire tous les Canets. Merci pour ça. Aussi, le fait qu'il y ait Studio Daniel qui est passé juste devant nous. Bon, il y a eu certaines réactions. Merde! Mais je l'aimais bien avant! Oh, Daniel! Daniel! Arthur! Et là, on se dit, bon, le match est fini, c'est bon, allez, on rentre. Oui, sauf qu'il y a le bus retour. Et le bus retour d'une victoire, c'est quelque chose. C'est-à-dire que déjà, on passe devant tout le stade. Il y a tous les supporters havrais qui sortent, qui nous font des doigts. On tape comme des fous sur le bus et tout. C'est une explosion, vraiment. Et là, bon, c'est une ambiance particulière. C'est-à-dire que c'est un match de foot, un derby.
t'insultes beaucoup, t'es beaucoup, t'es dans le surplus d'énergie. Du coup, il y a certaines personnes dans notre bus qui sont amusées à faire certaines pratiques assez peu normales. Voilà, petite vidéo, pas très fier de ça, mais c'était très marrant. Et après aussi dans le bus des joueurs nous a dépassé. Événement, tout le monde n'arrêtait pas d'hurler, donc je vous mets la vidéo. Et puis après on est rentré du coup devant le stade, et ce qui est bien c'est que vu que les joueurs du coup arrivent au stade et les supporters arrivent au stade, du coup il y a les joueurs qui sont repassés en voiture. Et du coup on a regueulé, il y a eu des fumigènes et tout. Et merci de nous avoir offert cette belle victoire qui était très savoureuse. D'autant plus que c'était l'anniversaire du hack. Enfin. Le faux anniversaire du hack. Mais sinon, ce match était fou. Et puis, merci pour ça, quoi. Et allez, Malherbe.